depuis le début des formations. Chaque ligue et chaque district élaborait lui-même ses contenus. Aujourd'hui, la Fédération française de football, dans la lignée de la rénovation des diplômes, a souhaité que la formation gardien de but soit également uniformisée. C'est ce que nous avons travaillé à Paris depuis 2 ans. Et aujourd'hui, nous allons mettre en place une formation expérimentale à Sarrebourg pour vérifier que les contenus soient en adéquation avec les attentes des éducateurs et des clubs surtout. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a pas de prérequis pour l'entrée en formation. C'est-à-dire que toutes les personnes qui souhaitent encadrer les gamins, les gardiens de but dans les clubs, quelle que soit leur catégorie d'âge, ou toutes les personnes qui ont la volonté de s'approprier un peu mieux le rôle du gardien de but, peuvent venir suivre cette formation. Alors il y aura 2 niveaux de formation. Le premier niveau, ce sera initiation, qu'on considérera plus pour le public U11 et U13, et un deuxième niveau qui sera mis en place dans une saison, qui s'appellera niveau perfectionnement, qui concernera les gamins à partir de U15 et qui ira jusqu'en U18, en sachant que la continuité de ces modules, ça sera le certificat entraîneur des gardiens de but qui se déroule à Clairefontaine. On peut ouvrir la formation à partir de 6-8 stagiaires. Par contre, pour une volonté de qualité et de contact avec les stagiaires, on n'ira pas au-delà de 15-16 stagiaires. Voilà, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une relation plus forte avec les stagiaires. On est un peu sur cette logique du rapport entre l'entraîneur des gardiens et le gardien de but. C'est quand même un poste très particulier et on est quasiment dans un sport individuel lorsqu'on est gardien de but. Il faut aller sur le site de la Ligue de Lorraine, avec une petite particularité, c'est que cette formation elle est interrégionale, puisqu'on la met en place également avec la Ligue d'Alsace. Mon collègue de la Ligue d'Alsace, Pascal Rhône, sera présent à l'occasion de cette formation. Donc je pense que ça peut être très intéressant dans cette logique d'interrégionalisation des formations.